Yes. Alors, j'inviterai Monsieur Saussier Bouffard. Sur une question sur la gestion animalière. Alors, ce sera la troisième question sur le thème ce soir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme M. Deschamps l'a mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, la Ville de Montréal a annoncé aux médias il y a quelques jours, vendredi plus précisément, une série de mesures pour faire face au taux extrêmement élevé d'abandon d'animaux de compagnie à Montréal. Et je note qu'à ce stade-ci, ces mesures constituent un plan d'action, donc aucun financement ou budget ont été promis. Ceci dit, j'applaudis votre intention de créer un comité aviseur, c'est souhaitable, de promouvoir la stérilisation et de responsabiliser les citoyens. Encore une fois, M. Deschamps, là-dessus, vous avez raison, c'est essentiel de le faire. Donc, les mesures annoncées incluent la création d'un comité aviseur dont le rôle est de fournir d'autres pistes de solutions pour le contrôle animalier. En ce qui concerne la composition de ce comité, est-ce que vous pouvez me garantir ce soir, et il n'y a pas besoin de davantage de réflexion pour nous donner cette garantie, que des élus des trois partis politiques de la Ville de Montréal y seront représentés pour que l'on puisse bénéficier d'une réflexion non partisane sur la question? Parce que ce sont des élus qui sont choisis par le peuple pour nous représenter, et ces élus, non seulement les fonctionnaires, devront rapporter et justifier les décisions prises. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette garantie ce soir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Monsieur Deschamps. Non. Il n'y a pas de garantie. Il n'y aura pas de garantie, là. Je n'ai pas été plus loin dans la réflexion. C'est une demande qui est survenue cet après-midi. Je pense que c'est M. Norris qui a exprimé ça. Écoutez, il y a déjà eu des comités où il y a eu des élus, là. Je pense que on va regarder la composition du comité. Je vais juger de qu'est-ce que ce sera la meilleure composition du comité pour avancer le plus rapidement possible. Alors, si il doit y avoir des élus, je verrai. Sinon, on va essayer de procéder le plus rapidement possible. Merci beaucoup. En question complémentaire, sans préambule. Comment de telles paroles puissent satisfaire le cynisme du peuple, j'en doute. Donc, ma question complémentaire. En juin et juillet, un grand nombre d'animaux de compagnie sont abandonnés à travers la Ville de Montréal. Donc, qu'est-ce que la Ville propose de faire? Des mesures concrètes, s'il vous plaît, pas simplement des concepts philosophiques abstraits, afin de répondre à cette crise imminente d'animaux de compagnie à Montréal. Merci. Monsieur Deschamps. OK. Alors, premièrement, il n'y a aucun cynisme à y avoir, là. Ce que je veux, c'est qu'on agisse, justement. Alors, je ne veux pas qu'on mette des comités sur pied qui vont prendre des mois et des mois. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Et je pense qu'ici, là, dans cette salle, lorsque j'ai pris un dossier en main, là, on a eu des résultats assez rapides, ou en tout cas le plus rapide possible. Donc là-dessus, ce dossier-là va être mené de la même façon que j'ai toujours mené mes dossiers à Montréal. Deuxièmement, les actions que je propose, c'est justement l'ensemble des orientations qu'on va mettre sur pied. Il y a déjà beaucoup de travail de fait dans les services. On va continuer de le faire avec l'aide du comité aviseur. Et ensuite, je reviendrai devant les élus, justement, pour rendre compte. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir participé à nos travaux ce soir.